Bonjour et bienvenue chez www.cnjled.fr Shopping Tuning et Tuning LED. Nous allons vous présenter le module Strobe Light Drive Back pour moto. C'est un système réversible, feu de pénétration et fixe. Dans cette version, nous allons vous présenter le modèle avec veilleuse W5 watts ou veilleuse BA9S. Donc ce système est pré-câblé, muni d'un interrupteur guidon, équipé d'un module étanche, d'une prise W5W directement à connecter à celle d'origine, et deux sorties pour monter vos ampoules LED W5W d'une puissance de 25 watts ici sur cette vidéo. Ce système donc puissant vous permettra d'avoir à la fois les veilleuses en mode allumage automatique ou pas pour votre moto, et également des feux de pénétration puissants. Muni de cosses à raccord rapide, le système sera facilement adapté sur la moto. Les connexions et le câblage sont très simples. Vous avez donc l'interrupteur guidon avec au moins 2 mètres de câble, le module 100% étanche qui peut se loger où vous le souhaitez. Vous avez un porte-fusible pour la protection, et vous avez également donc les deux sorties W5W. L'interrupteur on-off vous permettra de la mise en route du mode PESCAR, sans quoi le système sera toujours en allumage fixe. Donc si vous avez une moto avec l'allumage automatique de vos veilleuses, ça ne posera aucun problème. Dès la mise en route de votre véhicule, les veilleuses seront allumées en fixe, et quand vous le souhaitez, vous les activez en mode feu de pénétration. Nous allons donc brancher ici sur ce qui pourrait être votre cosse d'origine, W5W. Il y a donc une polarité, un sens de montage. Donc vous pouvez voir la puissance des ampoules 25 watts. Le câblage paraît très impressionnant, mais il y a donc 4 fils qui se croisent ici sur notre vidéo. Mais ceci reste vraiment très simple de montage. Voilà donc la mise en route du système feu de pénétration. Il y a donc des oscillations gauche-droite, des clignotements alternés, simultanés. Et donc dès que vous l'enclenchez, il fait feu de pénétration. Dès que vous le coupez, il revient en mode fixe. Donc vous pouvez voir le boîtier 100% étanche, immergé complètement dans l'eau. L'interrupteur guidon également ne craint pas l'eau. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt sur www.cnj-led.fr, shoppingtuning.com et Tuning LED, boutique eBay. Je vous remercie et à bientôt.